Bonjour les amis, ça va bien? Salut, ça va? Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Guillaume le Métis Vierge. Bienvenue à l'émission. Bien, merci beaucoup. Et merci. Guillaume, quand il arrive pas en moto, il arrive en avion. C'est ton oui. Nouveau jouet. Ça, c'est mon nouveau jouet, ouais. Moi, ça fait longtemps que je rêve de piloter un avion. Ça fait partie de mes rêves de petit gars. Mais c'est pas ça exactement mon vrai rêve. C'est juste que j'ai pas réussi à le faire parce que l'ultime plaisir que je pourrais avoir, ce serait de voler comme Superman. Bon, j'ai tout essayé, j'ai bien trouvé. T'as bien essayé. Oui, j'ai bien essayé bien des choses, puis une cape, cabine de téléphone, un collant bleu. Ça marche pas. Hein? Essayez pas à la maison, ça fonctionne pas. Sauf que l'avion, ça marche, hein? Ça fait déjà longtemps. Puis non, c'est ça, à 25 ans, tu vois, j'ai fait mon cours d'aviation. C'est jeune quand même. Oui, c'est assez jeune. C'est assez jeune, sauf que il y a, je pourrais dire, un mentor, sans que ce soit quelqu'un que je suis, puis à qui je parle régulièrement. Gaston Lepage, qui est un maniaque d'aviation aussi. Il m'avait dit comme conseil, hein, c'est le seul conseil qu'il m'a donné, c'est fais-le le plus tôt possible. Okay. Parce que c'est un peu comme tout dans la vie. Comme la moto. Comme la moto, exactement. Comme la voiture, comme tout ce qu'on fait dans la vie. Quand on a du bagage, quand on a des années d'expérience derrière nous, ça nous permet d'être plus en confiance, ça nous permet de mieux maîtriser. Et en aviation, ça ne pardonne pas. Alors, il faut bien maîtriser la chose. Donc, je l'ai fait dès que j'ai pu, finalement. Puis là, ben c'est ça. Ça, c'est mon nouveau jouet. C'est mon premier avion que je possède. Comment ça s'appelle? C'est un Pélican? Ça s'appelle un Pélican. C'est une construction qu'on dit amateur. Ne vous inquiétez pas quand on dit amateur. Ça veut dire que c'est un kit qui est fourni par un manufacturier et qu'on assemble nous-mêmes. Cela dit, je n'ai pas les compétences pour assembler un avion moi-même, alors c'est directement la compagnie qui l'ont assemblé. D'accord. Et moi, je l'ai acheté d'un propriétaire qui l'avait fait assembler, donc par ces gens-là. Au niveau de la puissance, c'est quoi? C'est un moteur Rotax qu'il y a là-dedans, c'est un 914 turbo. Donc, ça développe 110 forces de moteur. C'est relativement puissant pour un petit appareil comme ça. Alors, je peux atteindre des vitesses de pointe. Mettons, avec le vent dans le dos, là, ça va friser entre 120 et 120 nœuds. Il faut savoir qu'un nœud en aviation, ça fait 1,8 km. Alors, mettons 100 nœuds, là, tu roules à 180 km/h à vol d'oiseau. Donc, c'est une très belle vitesse de croisière. Et en plus, cet appareil-là, c'est intéressant, c'est qu'il y a des flottes qui venaient avec, que je n'ai pas mis pour l'instant, des flottes amphibies. Amphibie, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des roues. Il y a des roues à l'intérieur. C'est ça exactement, qui peuvent sortir des flottes. Donc, tu peux choisir d'atterrir sur une piste ou d'aller sur l'eau. C'est vraiment très, très versatile. Ou si tu manques la piste, tu continues sur le lac. Oui, c'est ça, exactement. Quand tu as un lac, comme à Saint-Donat, c'est ça. Tu manques ta piste, tu continues simplement sur l'eau. Bon, aujourd'hui, on va pas te donner une machine de 110 forces, mais quand même, on va t'amener faire de la moto avec nous. Est-ce que c'est un sport que tu pratiques encore, la moto? Bien, je la pratique moins depuis quelques années, parce que quand j'ai commencé à faire du parachutisme, la liberté que j'avais en moto, je la retrouvais, si on veut, avec le parachutisme. Et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. À un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Oui. Alors, ça a été une période très importante de ma vie, la moto, parce que moi, ma première moto, j'avais 8 ans. C'était une petite 50, Z50. Puis après ça, j'ai eu une XL80. Puis après ça, j'ai eu un GS750, avec lequel je suis descendu aux États-Unis. À 18 ans, je suis parti. J'ai traversé les États-Unis au grand complet. En GS 750, c'était un 83. Tu sais, c'était une vieille machine quand même. Puis j'ai trippé fort. J'ai eu des sports, des touring, des semi-routes, semi-trail. Ça a été une période très importante de ma vie, la moto. Puis c'était toujours à la recherche de liberté parce que c'est ça, la moto. Ben, exactement. Hein? Puis j'ai fait des belles routes. J'ai fait des routes magnifiques. Quand on fait la côte du côté ouest. Côte ouest, la 1? Oui, la 1. J'ai fait la 1. Que j'ai des souvenirs encore mémorables de ça. Et si je devais refaire de la moto, je pense que j'essaierais le trip, la semi-route semi-trail qu'on appelle du quoi, de l'enduro? Double usage. Comme un GS, comme un KTM Adventure, des genres de machines comme ça. C'est ça, exactement. Et là, j'irais faire des trails. Okay. Tu sais, je m'amuserais à sortir des routes, à des sentiers battus, partir sur le GPS, puis aller me perdre un petit peu dans la nature. C'est de plus en plus à la mode, justement, ces motos-là, parce que c'est des places où il n'y a pas de policiers. C'est sécuritaire parce qu'il n'y a pas trop de trafic. C'est de plus en plus à la mode. Oui, c'est ça. C'est mon cousin qui m'a parlé de ça. Il a commencé à faire ça, puis il m'expliquait que c'est une approche complètement différente parce que là, tu deviens un peu un explorateur. Mm-hmm. Tu n'es plus juste quelqu'un qui suit les routes, tu es quelqu'un qui crée des routes, qui va en découvrir que des gens ont passé, mais où il y a des gens qui ont passé, mais pas beaucoup. Mais tu peux faire un peu de... Tu fais un peu de route, tu fais un peu de trail, c'est tu t'amuses. C'est accessible. C'est ça. Alors aujourd'hui, on t'amène dans la magnifique région de Les Cèdres parce qu'on devrait te rejoindre ici à l'aéroport. On va faire une petite
petite randonnée. Il faut dire qu'aujourd'hui, il fait pas chaud, il fait à peu près 4 degrés. Donc, merci d'être avec nous. Bien content, mais on savait que tu es un tough. Tu sais. Ben écoute, j'ai quand même travaillé quelques années avec la gang de Lucas à faire de la motoneige. Nos gentils producteurs. Et non, mais on a vécu des belles affaires ensemble. Et crois-moi que la température n'a jamais été une raison pour annuler un tournage. Fait que de la motoneige à moins 40, à faire des chroniques avec le petit micro, je n'ai fait en masse. Fait que, puis la température, d'habitude, c'est pas quelque chose qui m'arrête pour quoi que ce soit. Non, ben il faut pas s'arrêter à ça. Non, c'est pas que... Moi, là, les gens qui regardent la température avant de sortir pour savoir s'ils vont faire l'activité, moi, je fais pas partie de ces gens-là. J'y vais, puis je découvre, puis je vis avec une fois dehors.